Old money, new hoe. Old money, new hoe. Old money, new hoe. Old money, new hoe. Old swag, swag, old flow. Salut à tous, c'est Lox Gaming, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, on se retrouve sur Legend of Metin et dans cette vidéo, je vais vous présenter comment faire le donjon du volcan. Donc je l'ai déjà réalisé une première fois pour drop mon premier talisman, et puis là c'était seulement la seconde fois où je l'ai réalisé en entier, parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai échoué parce que j'étais pas prêt au niveau du stuff. Donc je vais vous donner mes conseils pour le réaliser au mieux. Donc déjà il vous faudrait avoir des buffs soins et dragons au niveau P. Donc ça va vraiment vous aider au niveau de la valeur d'attaque et de la défense. Et ensuite moi je l'ai réalisé au level 55, donc les drops sont toujours intéressants au level 55, ce qui m'a permis d'avoir des stuffs plus intéressants et d'avoir pas mal d'items plus haut level qui permettent de tenir et d'envoyer beaucoup plus de dégâts. Donc pour commencer, il vous faudra tuer les 3 premières métines avec 12 secondes d'intervalle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un tout petit peu de pourcentage. Donc je l'ai mis du 0%, donc vous voyez là il ne me reste plus que quelques pourcents. Je les enchaîne et ce qui va me permettre de me conduire à l'autre étape, qui va être du coup de débloquer des pierres d'ouverture. Donc je vais accélérer le moment pour vous montrer plus rapidement. Donc il faudra tuer 3 fois 3 métines, donc ça va être plus ou moins les mêmes métines que là, mais vous devez les tuer 3 fois 3 métines. Ça va être le moment, on va dire, le plus long, parce qu'en fait vous devez aller une métine la taper, aller une autre métine la taper. Donc c'est vraiment, on va dire, le plus long du donjon, parce que même au niveau du boss, ça va, c'est pas très long si vous avez les bons items. Ensuite, vous allez devoir tuer 3 nouvelles métines qui vont vous faire apparaître le boss. Donc je vous montre exactement le chemin à chaque fois qu'il faut prendre. Une fois que vous avez détruit ces 3 pierres métines, vous allez avoir un boss qui va arriver. Une fois que ce boss est arrivé, vous allez devoir le tuer. Pour ce faire, vous allez juste vous mettre dessous et envoyer au maximum de dégâts. Faites attention, si vous mourrez, sa barre de vie revient à 100%. Donc c'est-à-dire qu'il vous one-shot d'un coup. Enfin, il vous one-shot quoi, enfin, il n'y a pas d'un coup. Si vous one-shot, vous allez mourir. Et donc, ses PV vont revenir à 100%. Donc moi, personnellement, la seule attaque qui me one-shot, c'est quand il part dans le ciel. Donc je vous conseille de l'esquiver au dernier moment. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je restais, il montait, j'attendais une ou deux secondes, puis je partais. Vous allez avoir un cercle qui est prédéfini pour montrer jusqu'où va l'attaque. Vous esquivez, puis vous revenez taper. Ensuite, ça en attaque où il y a un grand souffle qui part, donc comme vous pouvez le voir. Celle-là, personnellement, au début, je pensais qu'elle allait me tuer, puis je me dis, je vais essayer pour ce one-shot. Et au final, elle m'a pas du tout one-shot, donc j'ai pu y rester et envoyer un maximum de dégâts. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc vous pouvez voir tous les drops que j'ai eu, j'ai encore eu un nouveau talisman. Donc voilà, ça reproduit plusieurs fois, toutes les 30 minutes, vous pouvez faire le donjon. Donc il n'est pas très compliqué une fois que vous avez un minimum de stuff, avec des legs et des buffs au level B. Et puis ça se fera tout seul. Voilà, en tout cas, j'espère que cette aventure vous plaît, que toutes les vidéos sur Legend of Metin vous plaisent, que les vidéos en général sur la chaîne vous plaisent. N'hésitez pas à vous abonner, on a atteint les 80 abonnés, donc je vous remercie. Bien sûr, il va y avoir la vidéo déguisé comme promis. En tout cas, continuez à vous abonner, on est de plus en plus sur la chaîne, de plus en plus de vues, donc ça fait vraiment plaisir. En tout cas, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à la commenter si ça vous fait plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse, ciao tout le monde.